chez toi. Mais est-ce que c'est loin de chez toi? Ben, la gare du Nord de chez Popina. Mais tout passe. Non, si on passe devant chez toi, si on passe devant chez toi, il n'y a pas de souci. Mais ils sont pas. On se connaît, on partage. On se connaît. Hein. Non, ça, là, ça ne donne pas. Donc, je récupère d'abord les deux et après, c'est toi que je récupère, c'est ça? Et après, on continue juste pour aller à la maison. Ok. Mais le gars là aime le Congo, ça. Non, parce que si vous êtes trois, il va me rester une place. Arrêtez le Congo, ça que vous aimez trop là. Ce n'est pas bon pour la santé. C'est dit. Mange un boum le Congo, ça depuis longtemps. On a les fax. On a les fax des deux couples. Lui, on a les fax. Donc, du coup, on va voir dans quelle mesure on va. On va commencer le live. Faudrait pas que les gens disent que oh, on a choisi un camp. Oh, Amec Amen ne prend que les camps. Il y a un Congo ça qui est arrivé dans mes oreilles. Vraiment, hein? Bon, ok. Mais ça. Il y a un mauvais Congo ça qui traîne dans les réseaux sociaux que tu as tapé ta femme. C'est pour ça qu'elle met le make-up le matin. Hey! Attends. C'est mon complice qui est en train de chasser le Jésus. Faire deux choses en même temps, on fait le Congo ça et on range. Voilà. Donc, on partage. C'est comme je vous dis, 24-30 ans. Non, c'est mon compte. Ne vous inquiétez pas pour mon année. Là, on est de chasser un Jésus. Là. Donc, il y a un Congossa qui traîne dans les réseaux sociaux. Il y a même deux Congossa qui traînent. Information dernière. On va mettre ça au cœur du Congossa. On va commencer par qui? On commence par Messan ou bien on commence par Coco. Choisissez. Messan ou Coco? Ok. Messan ou le milliardaire? Le milliardaire en crypto monopoly. Le milliardaire en monopoly. Maman, c'est notre soeur que tu venais manger. Les vidéos ne font que tomber. Je vois les Ivoiriens dire qu'on ne reste pas avec. On va vous remettre. Partagez le live. Mange un boum. On a l'affaire Messan. Il y a un farce qui arrive là-bas que. Ou c'est le sabotage. On dit que oh, Messan a tapé sa femme, c'est pour ça qu'elle s'est maquillée le matin. Vous qui aimez saboter là, faites au cas de la déclaration. Oui, on partage. Parce qu'à ce qu'il paraît, le milliardaire en Monopoly. Oui. Le milliardaire en Monopoly a jusque. Non, moi, je suis abonné sur le Snapchat de Coco. Sur le Snapchat de Coco, elle n'a plus la bague. Je tiens à rappeler ça aux gens. Sur le Snapchat de la femme du milliardaire, il n'y a pas... L'ondente a habillé, l'ondente.
On n'a aucun sujet. Donc, voilà le seul sujet qui nous reste. Ok, j'arrive. Envoie-moi ton adresse. Envoie-moi l'adresse. Là, tu me lèves. Gars, go tiens un truc là, mon frère, j'arrive. Elle est mort. Vous faites juste de savoir si elle est mort. Nous tiens chacun, mon frère. Donc, qu'elle soit mort ou pas, là, tu mets la tête. Oh, petit, non, tu es un mauvais petit. Mange un boum. Après, tu vas en camp, tu vois, non? Non, c'est le petit. Non, partagez le live. Aujourd'hui, n'est pas, on a dit. En plat de résistance, on a le milliardaire du Monopoly. Et on a affaire, Messan. Parce que j'ai entendu ça traîner dans les réseaux sociaux. Oh, tel ne parle pas avec Messan. Parce que Messan. Et que vous avez le Congo, ça. Moi, je vais dire ça, Messan. Il y a un Congo, ça, qui traîne dans les réseaux sociaux qui veut arriver à. J'ai soufflé le Congo ça là. Donc, on partage, connecté, partage. Après, on va encore bloquer ma page. Je suis fatigué. Le Congo ça, on bloque ma page tous les jours. Si je pense que je pensais que la politique faisait bloquer le Congo ça, là. Donc, même les Congo ça boy, même les gens du Congo ça là, vous n'êtes pas sérieux, hein? Appliquez-vous. Partagez, envoyez les cœurs. Partagez, envoyez les cœurs. Appelez Amout. On va aussi savoir si Amout tape aussi sa femme. Quand ça arrive dans mes oreilles, c'est dehors. Quand j'entends ça dans les inbox, je verse ça là. Les archives. Mon frère, ma page, c'est la veille, des blogueurs. Ma page, c'est la veille des blogueurs. Je remercie tous ceux qui m'ont donné des fringues. Je vous remercie énormément. Ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Je profite de l'occasion pour dire que la prochaine fois, je reviens en fin du mois de février. Là, je vais prendre vraiment le temps. On va travailler ensemble. Comme ça, petit à petit. On n'est pas obligé. C'est la pause publicitaire. On n'est pas obligé de... Ah, ma casquette. Là, c'est là-bas. La noire, là. Ouais. J'avais ça aussi. Demain, c'est là une copine, un truc comme ça. Mais moi, elle partage pas, mon frère. Elle a pas une copine. Je peux baisser les sens comme ça, Joe. Là, pardon, si l'un de toi, parlons, il va tout mort. Pardon, si il y a une copine, vous pouvez m'envoûter un peu, non? Man, pense à la fraternité entre les Bassa et les Bamleke. Pense à la fraternité entre les Bassa et les Bamleke. Ne me fais pas les choses que les gars font ici dehors. On partage. J'ai dit que partagez le live. Ça va encore begin. Ça va prendre le feu. Ça. Mais l'état est fort, mon frère. Now. Tu sais même pas si l'engalais est belle, tu manges déjà. Man. Ok, je dis, tu manges. Mon frère. Va mouiller là-bas, hein. Tu vas me sentir. Il ne peut pas gâter la réputation quand même. Ouais, merci pour les cœurs, merci pour les cartons. Je ramène même la valise d'acier à côté. Voilà. Comme ça, on fait le Congo ça. Un bon Congo ça là. Congo facture. Mon problème est où? Mais c'est même là où mon problème commence. Vous êtes même comment? Moi, je ne vous comprends pas. Si mes sang tape sur sa femme, c'est là où nous, le Congo, nous, les gars du Congo, ça, on arrive. Vous pensez qu'on arrive sur quoi? Mais les gars, vous êtes terribles. Hein? Tu me dis que, oh. Même s'il tape sa femme, mon problème là où dedans. Que quand Coco est venu avec son mari, mon problème là où dedans. J'achète. Son droit que vous êtes. Quand ça traînait dans les réseaux, quand ça traînait dans les backpacks là-bas, qui parlait? Personne. Là, il a attendu quand même ouvre sa bouche. Hein. Ils sont là, méchants. C'est ce qui traîne au. Un courtier. J'ai entendu ça là chez Courtier de Couteau Courtier à ton terrain. La veuve joyeuse. Courtelina. Et je vais vous dire quelque chose. Hein. Appelez à respecter les blogueurs. Quand on prend un nom comme Courtelina, on dit à quelqu'un. Oh, les décombres, le morguier. Et le problème, c'est que les noms là collent avec eux. Hein. Donc, le rapport du dernier Congossa qu'on a eu sur le milliardaire. Hein, on appelle plus un que par Vimba. On va l'appeler maintenant le milliardaire à Monopoly. Tu es notre. Le milliardaire à Monopoly. Voilà un gars. Quand tu entends d'abord le gars, c'est quoi ce milliardaire?
Un milliardaire qui a les maquis. Mange un boum. Regardez l'ancienne vidéo qu'on a publiée aujourd'hui. Je tiens à rappeler quelque chose de très important. Le gars a passé Noël avec ses enfants. Oui. Il a passé Noël avec ses enfants. Ça veut dire qu'il a mis notre coco et mis là au banc de touche. Il a encore passé Noël avec ses enfants. Petit, il met plus au camp le caca. Quand je dis que c'est dit que vous les Congolais là, c'est dit que je dis vous les Congolais là, je vous avertis, le mensonge que vous mentez ici dehors, amenez ça au Cameroun, on va vous régler là-bas. Attendez. Donc, d'après le dernier Congosa qu'on a eu, vous savez que moi, jeune garçon, en matière de Congosa, j'ai deux doctorats déjà avancés. Donc, quand on entend ça dans les réseaux sociaux, j'amène ça ici directement. Le 23, le 25, le gars était avec sa famille en France. Ça veut dire que, voilà encore les petits trucs que je dis souvent. Dites-moi, vous avez entendu qu'on a refusé le visa à une femme de milliardaire? C'est-à-dire que, quand vous dites, vous les milliardaires du Monopoly, là. Hé, maintenant, je suis fan de Coco Emilia. Je défends Coco Emilia. Je défends ma soeur camerounaise. Peut-être en défendant même, je peux avoir ma part derrière. Bon, on continue. Voilà le père. Il passe Noël actuellement avec ses Mouna. Pendant que Coco au pays, dans sa famille, et remarquez quelque chose de très important. Coco n'a plus les deux alliances. Manjoumbo. Sur Snapchat, elle n'avait pas les deux alliances. J'ai déjà précisé. Mes agents du Congo, ça. Mes agents du Congo, ça. Parce que nous. Parce que nous, partagez. Oh. Non, mon nouveau nom maintenant c'est Kamga. Quand il fait le Kongosa, mon nouveau nom c'est Kamga. Parce que les Bafoussa aiment beaucoup le Kongosa. Donc quand je suis dans le Kongosa, comme maintenant mon émission, ce n'est plus mon émission, c'est au cœur du Kongosa. Nous, c'est au cœur du Kongosa, animé par Amé Kamé alias Kamga. Parce que le nouveau Bafoussa. Les Bafoussa m'ont validé, mais quand même, son nom c'est Kamga. Hein? Un membre. Oyou. Nga émission, nga à cœur ouvert. Non, n'est pas à cœur ouvert. Ici, c'est au cœur du Congo. Ça veut même. Gars, ça veut dire. Hein? Au cœur du Congo, ça. Voilà. Quand il met au cœur du Congo, ça, il va parler de quelqu'un. On va forcément parler de quelqu'un. Donc, je reviens. Gardon, tu connais ça, gars. Même ça, copie, tu me dis même pas. Guys, go to tomorrow, guys. Là, c'est un marron. Là, y a C'est là, il est laid. J'ai été fichable. Tiens, intéresse qu'il y a un gars soit mou. Et c'est ta copine, c'est que tu le disais à John. Guys, un gars. T'as pas un gars pour moi. Mon frère, je vais te dire Koutalina. Ah, Koutalina. Bon, on continue. Moi, ça veut pas chercher le gars. Non, bah, Tom, a dit que le gars n'a plus l'alliance. Il dit que le gars peut-être a l'alliance, mais. Notre soeur n'a plus l'alliance en dans ses mains. Donc, ça dit que quand, voilà quelqu'un qui vient bluffer. Et les Congolais, et Zala qui ne va pas ça, va payer ça, voilà, quand elle va dire ça, j'ai deux doctorats en Congolais avancés. Non, il m'habille toujours large, je m'habille toujours large. Donc, je continue. On n'est pas là pour savoir si Amé Kamé. Eh, c'est. On est là pour le Congo, ça dit donc. Faut souvent. Ça, c'est des habits qu'on m'a donné. Quelqu'un peut même laisser même 100 euros dedans. Non, ça, c'est des habits qu'on m'a donné pour le Cameroun. Donc, du coup, j'ai des gens là-bas que ça peut suffire. Ça m'évite d'aller payer les habits à Château Rouge ou à Barbès ou à Auchan. Donc, voilà ce qui se passe donc. Donc, quelqu'un ne peut pas venir. On vous dit toujours, vous les filles. Quand vous regardez la vidéo, j'ai posté une vidéo sur ma page Facebook. Quand vous regardez la vidéo sur ma page Facebook, vous savez, est-ce que quand vous regardez le gars là, il ressemble à un milliardaire? Non, parlons bien. Le gars ressemble à un milliardaire. On dit même que c'est un diamantaire. Le gars là, au Cameroun, c'est-à-dire que si on doit transposer au Cameroun, il ressemble à
Le gars là qui veut devenir président là. Comment il s'appelle encore mon ami là? Après il a ouvert son parti politique. Fomon Gota. On va dire que le milliardaire alias Fomon Gota. Le gars là manque comme Fomon Gota. Je vous dis. Le gars est venu draguer Coco en disant que oui, j'ai été, quand j'ai été candidat aux élections présidentielles. Tu étais candidat aux élections présidentielles. Mon frère, le milliardaire en monopoly. On a notre milliardaire en monopoly qu'on appelle Fomon Gota. Lui, ça passe, c'est toujours que, oh, je m'en vais là-bas, je m'en vais au Cameroun. Quand il veut draguer une fille, il dit qu'il a été candidat au présidentiel camerounais. Ça a le même moroto que tu es venu, John, à Coco. L'engagé est tombé. Avec la complicité de son entourage. Ah oui, il faut le dire. Un garçon, un homme qui est milliardaire, on refuse le visa à Sanga. Eh, ya, ça où? Eh, ya, ça où? Parlons peu, parlons bien. Eh, ya, ça où? Un homme milliardaire, on refuse le visa à Sanga. Mouf. Allez, raconter ça n'importe où. Moi, je n'ai jamais entendu qu'on a refusé le visa à la femme de la Mugubelinga. Je n'ai jamais entendu. Vous parlez même de quoi? Même manga, on ne peut pas la brasse de la voilà la carte de séjour. On ne peut pas la chambre le visa. Parlons peu, parlons bien. Hein? Vous êtes en train de supporter la connerie. Vous êtes en train de supporter les bêtises. Vous pensez vraiment que le gars est milliardaire? Le gars n'est pas milliardaire, c'est un mythomane. On compte les milliardaires congolais. Peut-être que là-bas, comme un million, c'est un papier. Un million, c'est un papier. Et il faut voir le gars même. On, dans les photos, il paraît costaud. Il faut voir le gars. Dans un maquis. Attends, je vais vous montrer la vidéo parce qu'il faut que je parle à vous montrer la vidéo. Dans un maquis. Le gars, dans un maquis. Un milliardaire qui marche dans les maquis. Hey, mangeons boum. Un milliardaire dans les maquis. Attendez, vous montrez la vidéo. Est-ce que ma femme parle, mon petit? J'ai payé le problème là. Attendez. Je vais vous montrer. Un milliardaire dans un maquis. Maman, la honte de ça. Entendu. Qu'on a refusé. Attendez. Jusqu'à. Ça, c'était avant. C'est une vieille vidéo. Awa Penza Bosuki. J'ai vu des frères et des sœurs. Exact. Regardez les cris de gémissement. Les cris de gémissement qu'il y a derrière. Écoutez. Regardez, écoutez, écoutez encore. Je mets encore ça. Ça, c'était avant, hein. Ça, c'est une vieille vidéo. Vous-même, regardez un milliardaire. Attendez. Écoutez le petit bruit qu'il y a derrière. Le gémissement d'une femme. Va votre milliardaire. Mariage, il parle des gens qui ont critiqué le mariage. Que tu as payé combien? Tu as payé combien sur le mariage là? Tu n'as même pas honte. Milliardaire d'Nganda. Merci. Merci pour le milliardaire d'Nganda. Les gens qui ont critiqué mon mariage. Les gens m'ont dit qu'ils se sont mariés. Toi, tu sais que tu t'es marié? Dis-moi un peu, Tara. Les gens, les garçons vont dire qu'ils se sont mariés. Toi, si tu as dit que tu t'es marié. Hein, le milliardaire en monopoly. T'as pas de milliards à sa monopoly, c'est milliardaire en faux pied. Diamantaire. Et si c'est question pas contrôlée, on va voir que la bague là, tu as tapé ça au tchat. Parce que le tchat, c'est la sankal des Congolais. Coco, ma chérie, vérifie tes comptes bancaires. Hein. Vérifie tes comptes bancaires. Ça, le toi, John Hamza. Voilà. Si tu as un faux chèque, si tu as un chèque qui traînait quelque part, bloque ça. D'abord, tu as même commencé à retirer le gars dans tout. Là-bas même, j'ai confiance. Là-bas même, j'ai confiance. Exact, confiance absolue. Voilà un bandit, un escroc. Le gars vient abuser d'une gars. Hein? Milliardaire d'Nganda. Le gars vient s'asseoir. Les gens ont critiqué mon mariage. Un milliardaire qui est dans le Congo, ça.
Voir votre part de milliardaire que vous aimez toujours nous comparer. Le gars là me vaut. Le Dieu là me vaut. Le milliardaire Monopoly. Les gars vont parler. Vous allez toujours ouvrir vos larges bouches. Oh, il est là. Un milliardaire qui traîne dans les maquis. Le CV du gars. Toutes les sociétés que le gars open sont tombées dans l'eau. Petit. Dans ton snap, il y a mes éléments dedans. Regardez ce qu'il a fait pendant le snap qu'il a posté pendant la fête. Le gars est là avec ses trois enfants. Avec ses trois enfants. Loin de la femme qu'il a épousée. Loin de la femme qu'il a épousée. Vous allez mettre Jordan quoi? Dites-moi. Vous allez mettre Jordan quoi? Loin de la femme qu'il a épousée. Une femme te présente son père, sa mère, sa soeur, sa famille. Tu le frappes le exé comme ça. Mon frère, pas attendre au moins. Heureusement que l'Angara aussi est un peu wise. Elle a pensé que, hey, je peux faire comme ça, le gars a descendu avec moi. Pourquoi il était wise? Ça, il faut apprécier. Sur ce point-là, non, Maja, tu as été. C'est vrai que la carte, c'est vrai que tu as dormi la carte. Tu as dormi la carte, tu as échappé au courant. Mais sinon, quand même, tu as aimé le jeu là. Parlons peu, parlons bien. Vous avez vu un milliardaire qu'on refuse le visa à Sangara. On peut tenter même. On supplie les femmes des milliardaires que pardon, venez demander le visa. Les gars se mettent. C'est-à-dire que les pays se mettent à genoux pour dire aux milliardaires que pardon. Dis à ta femme de venir faire des courses ici. Non. Dis à ta femme, maman, tu dis que tu es milliardaire et on ne voit jamais un coco à l'avenue Hoche. Et on ne voit jamais un coco à l'avenue qui est à Pamba de Pala. Pour ceux qui connaissent, pardon, dites-moi un peu le nom de l'avenue là. Avenue Montaigne. Tu dis que tu es milliardaire, coco ne fait pas les courses sur l'avenue Montaigne. Tu dis que tu es milliardaire. Tu viens de marier au Cameroun. Ma jumboum. Les gens parlent pour parler. Tu es quel milliardaire? Nous, on va gâter le mariage. Tu es quel milliardaire? Tu n'as même pas honte. Incapable de passer. C'est-à-dire que incapable de passer le 25. Le 25. Avec tes mouna et tanga. Marié officiellement. Tu es venu bluffer la petite. Tu t'es marié au Cameroun. Tu es venu bluffer l'enfant. Tu es venu bluffer l'enfant. Parce que le mariage, tant que tu n'as pas fait la transcription en Beng, c'est caduque. Beng ne reconnaît pas le mariage. Tu as même te marié en Beng, comment? Puisque tu as encore marié en Beng. Tu as vu comment? Vous allez me parler. Vous allez me parler. Vous allez décider de mettre ça dans les réseaux sociaux. On va tordre ça dans les réseaux sociaux. On va tordre ça dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on parle vrai. Nous, ne parle pas le Congo, ça, là, c'est au cœur du Congo, ça. On perce, ça gâte. Ça gâte. Non, il a fait un nouveau snap où il était avec ses mouna. Non, ça, c'est un vieux truc. Ce que j'ai montré, c'est un vieux truc qui date. Mais il y a un nouveau là où il avait ses mouna. Il y a l'enfant qui était derrière. Il y avait l'enfant de Coco derrière sur une photo. Faut arrêter de tourner, arrêter de soutenir la bêtise. C'est même quoi? Quand j'ai sur les milliardaires de Nganda. On a quelqu'un qui est milliardaire. On n'a jamais vu sa femme sur les... On n'a jamais vu sa femme sur l'avenue Montaigne. On n'a jamais vu sa femme dans les Kankangwa Monaco. On n'a jamais vu sa femme dans les... Non. Mon frère, Tanga, tu as les mêmes mots. Où est le changement? Même moi-même. Milliardaire à Monopoly. Même moi-même, je brise mon pote du Camé en Féfé. La dernière fois, on l'a vu en là, j'ai dit à mon pote, j'avais Djoum là, on conduit à Féfé. Toi-même, ça, Tanga, là, pas fait en bain. Tu viens ouvrir ta bouche. Tu escroques l'enfant, tu abuses de l'enfant de Tui. Voilà le mariage que vous voulez, non? Ça va vous apprendre. Quand tu as épousé les vendeurs de rêves, les vendeurs d'illusions, vous ne voulez pas les gars qui choquent. Vous ne voulez pas les gars du terre-terre. Vous ne voulez pas les gars comme les nous, comme ça, que nous, il faut avoir nos dos. Vous voulez seulement les dos, un genre, le flash. C'est celui qui a bluffé l'anga. Il a fait les virements de compte sur le compte de l'anga. On a le tchaka de Boka, non? Les Boka, ils font le genre de tchaka que le gars te joue, te dit que non, petit, comme tu as un problème, on va régler ça. Le gars te vise sur ton compte 20 000 euros. Tada, il te demande de récupérer ça vite. Quand tu récupères, il fend sa part, tu prends ta part, il femme. Après, on fait le compte. Qu'il n'a pas le voilà. Je suis que la main, il t'a pas mis la dame. Hein? Parce que c'est la spécialité des Congolais, des Mboka. C'est la spécialité des Mboka en Beng. Transaction bancaire fictive. Ils sont très forts dedans. Ils sont très forts dedans. À côté, les Camerounais vont à l'école. C'est-à-dire, à côté, les Camerounais vont à l'école. Nous, les Camerounais, on a encore le fait. Où tu croises le Mougou. Qu'est-ce qui a déstabilisé le fait des Camerounais? C'est qu'est-ce qui a déstabilisé le fait des Camerounais, mon frère? C'est le Mboka.
Le mot arrive d'abord chez toi. Il photocopie ta carte bleue. Il photocopie ta pièce d'identité. Pendant qu'il est en train de joker avec toi, là, ses frères sont en train de faire les virements en Belgique, n'importe où. Ils ont une combinaison Maroc, Espagne, Maroc, Belgique, Maroc, France. La plupart des chamans sont quoi? Qui a pris le tchao camerounais? Parlons bien. Qui a pris le tchao camerounais? Ce sont les Mboka. Oui, via le Maroc. Vous pensez que quoi? Le tcha, c'est la maison des Mboka. Vous n'allez jamais voir un camel dit qu'il apprend le tcha. Non, tu ne peux pas. Un camel ne peut pas apprendre le tcha en Boka. Tu ne peux pas. Tu vas commencer comment? Vous l'avez. Babo Souglou m'appelle. Allez, regarde. Angel, l'angel, il est ordinateur, petit frère. Anatolo Pentagone. Vous parlez de quoi? Les camels font le tcha. Vous ne faites pas le tcha. Les premiers doublures en Europe, c'est les Mboka. Les premiers doublures où les gars partaient chercher les actes de naissance en Martinique pour finir fabriquer les cartes, les nationalités françaises qu'on ne pouvait pas renouveler là. C'était les Mboka. Ne tentez pas, les gars étaient faillants. Donc toi, tu veux un tel là, il te prétend milliardaire, mon frère. Tu es milliardaire, on banque tanga. Tu es fou. Tu es milliardaire, tu es capable de prendre un jet privé. Tu dis à tanga que écoute bébé, comme tu veux pas fêter noir avec moi, tu prends tanga, vous partez à Dubaï. À moi les gens, milliardaire en Monopoly. Il a ouvert sa large bouche, je suis milliardaire. Oui, j'ai épousé. Petit frère, le colis que tu as pris là, le colis de coco émis là que tu as pris là, nous on est dedans. On va sauf que caler dans ton ventre. Tu as l'île, ce n'est que le début. Hein. Attends que je m'assoie sur toi. La canne arrive, je vais m'asseoir. Tu as la chance que je sois en main. Et quand même, il ne peut pas parler fort parce que les voisins m'ont dit que oh, je vais dormir. Mon voisin pensait que je suis parti, je n'étais pas content. Quand il m'a vu arriver, la tension est montée sur le niveau 10. Je continue, vous les gars qui sortez avec les Mboka, faites attention. Les Camerounais sortent avec les Mboka pour faire venir leurs frères ici, c'est tout. Parce que le réseau de recoupement familial, c'est la spécialité des Mboka. Les transactions bancaires, c'est la spécialité des Mboka. Ils n'ont pas leurs deux là-dedans. Si tu as envie des histoires de virement des faux comptes, va contacter les Mboka. Tu dis que non, tu veux le virement de 30 000. Il te tape, il te tchakale sur le virement de 30 000. Donc, si la notre petite soeur est tombée dans le faux cop là, maman n'a qu'à la soutenir parce que c'est un autre niveau. Ils sont à un autre niveau. C'est-à-dire que de la même manière que les Camerounais sont dans la Femania à un autre niveau, c'est comme ça que les Mboka sont dans le tcha et les faux papiers ici dehors, le feu sort. Vous parlez de quoi? On se connaît ici en Bénin, nous tous. Nous tous. Partagez les lives là, dis donc, je ne fais que commencer. Il fait que commencer. Donc, là que vous êtes dans le live, partagez, vous ne partagez pas, vous allez vous écouter seulement le Congo, ça. Des followers maudits. Partagez, vous ne partagez pas, vous êtes seulement écouter le Congo, ça, maudit follower. C'est pas possible. Tu épouses une dans mon frère, toi, tu es la famille d'Anga. Mon frère, depuis que l'engrais t'a mal, ses affaires ne marchent plus. Tu portes la poisse. Un par milliardaire en Monopoly. Tu as vu, tu as emboisé la petite. Si la petite, elle nous sortait même ton dossier, nous, on allait entrer là-dedans. Un coco, fallait me dire, je sortais ton dossier là. Fallait nous dire, nous, on entrait dans le dossier du gars, on pistait. Le gars, là, il gère ses anciens dossiers, vient mettre. Quelqu'un qui est. Mon frère, tu épouses une femme. Soit disant, j'habite à Monaco. Tu as emboisé la petite entre les hôtels. Vous aussi, on vous offre les voitures volées. Vous êtes content. Ça vous apprend aussi. Ça vous apprend à aimer les vrais gars. Les gars honnêtes. Les vrais gars. Les gars que quand tu restes comme ça, tu sens que le gars sent le ciment. Il sent le bâtiment. Le gars sort, il sent l'agent de sécurité. Tu es sûr que son agent, c'est un agent clair. Vous êtes toujours là avec le gros cœur. Voilà, on vous a fait avec le Monopoly. Même les milliardaires d'Nganda. C'est-à-dire que le gars, il est assis dans un ganda en tant que milliardaire, mon frère. En mer, quand même, j'ai une boîte de nuit chez moi, perso. Tu as compris? Ne pense pas, tu as lu la carte. Ça, ce n'est que le début. Tu ne connais pas. Bienvenue dans le Congo, ça, les Kamers. Peut-être qu'on te protégeait encore parce qu'on savait que Coco te yaemo. Maintenant que Coco est en train de lâcher prise, man, on va te faire. Coco était ton bouclier. Ouais, pour ceux qui nous connaissent, Mboka, ça veut dire Congolais. Ce sont les Congolais qu'on appelle Mboka. Non, ne vous trompez même pas. C'est les Congolais qu'on appelle Mboka. C'est comme on appelle les Marocains, les Nkassa. Non, ne vous trompez même pas.
Je continue. Je continue. Faut bien qu'on continue l'histoire ici. On va pas laisser ça comme ça. Donc voilà comment ma soeur essaie de trouver perdu. Et comme nos soeurs sont aussi que, je vais vous dire un truc. Quand vous sortez avec un gars, il faut le ficher. Les histoires qu'on dit, oh, n'écoute pas ce qu'on dit dehors. Ma soeur, écoute. Écoute. Je m'adresse à tous les gars qui draguent les gars là dehors. C'est un conseil que je donne à mes soeurs. Tu sors avec un gars, ficham-le. Tu vois une gars là-bas, pose la question à l'anga. Parce que en voulant montrer que toi, tu es comme les autres, maman, avant toi. Si on interroge, regardez. Question bête. L'anga a envoyé ses trois mounas en vacances. Chez le père des enfants. On voit comment le gars Joss avait ses mounas. Ouais, pourquoi tu ne veux pas venir en vacances? Pourquoi tu ne veux pas venir rester avec moi? La mouna dit que moi, je préfère maman. Maman. C'est dans son snap, non? C'était dans son snap. Et vous voulez venir nous dire que... Regardez le comportement de quelqu'un. Quand tu vois la bonne gars, tu sens là-bas que c'est... Dans une relation... Comme mon pote blogueur, je ne connais même pas son nom. Dans une relation où l'homme est plus beau que toi, you pay, you die. M comprendra, comprendra. Dans une relation où l'homme est plus beau que toi, you pay, you die. Eh oui. Comprenez, comprenez. N'est même pas honte. Bande de gigolo. Voilà. Quand on va parler, on va dire que entre Africains, on doit se soutenir. Soutenir dans quoi? Hein? Soutenir avec les bocs. Hein? Non, on ne peut pas. Nous, les camés, quand ça a cuit, ça a cuit. Quand ça a cuit, ça a cuit. Mouran Kana, tu m'as même plus donné le nom de ta personne. Je continue. En même temps, j'arrange aussi. Hein. Ne pensez pas que je fais seulement le Kumbusa comme ça pour faire le Kumbusa. Je continue. Quand quelqu'un vient, vous aussi les filles, quand quelqu'un vient voir votre soeur, il dit à votre soeur que, ouais maman, pardon, Lukala te yamo, il vient blaser, apprenez à enquêter sur la personne. Il y a les services d'enquêteurs. Coco. Ça veut dire qu'il y a des services d'enquête. Il y a des services d'enquêteurs reconnus dans les réseaux sociaux. Il y a le service d'enquête de la DDDDD. Il y a les abeilles. Il y a la TKC. Si tu as échappé aux abeilles, la TKC, tu ne peux pas échapper. Si tu as échappé à la TKC, les abeilles, tu ne peux pas échapper. Il y a un coco. Tu dois prendre les deux services de renseignement les plus ultra féroces des réseaux sociaux. Les abeilles et la TKC. Les Wariens, là, on les mots bande. Ouais, même les Wariens, oui. Non, mais les Wariens, on va dire les Loulomagnan. Tu prends le service d'enquête de la des abeilles, tu poses. Tu prends le service d'enquête de FD, des TKC, tu poses. Tu prends les Lolomania, tu poses. Tu es sûr qu'on va détailler le gars là. C'est-à-dire que tu dis c'est maman faux. Cacham. Compresseur dit cacham. Lolo dit cacham. Je te dis que même ce que le FBI n'a pas trouvé, les gars là vont trouver ça. Mais, une gamme envoie une photo à pouvoir me dire que tu parles encore de mon état ficham. Il dit que, hey, tu as pris ça, on m'informe que tu es sorti avec ma soeur. J'ai dit à ma soeur de te filmer. J'étais en mouvement. Tu t'amuses, Coco. Si vous voulez sortir avec un gars que vous avez les doutes, prenez la tête du gars, vous envoyez ça à la TK, si vous envoyez ça chez aux abeilles, vous envoyez ça au loulou. Le lendemain, te donne un résultat, toi, tu laisses comme ça, tu vois. Parce que les abeilles, la TK et les loulous sont capables de te déterrer des histoires d'il y a peut-être 30 ans, avant même que Facebook ne naisse. Ils vont te déterrer ça. Tu prends, au lieu de prendre le Vébala, tu viens, tu donnes, tu dis que, oh, ma soeur Lolo, voilà un gars qui veut me faire, qui veut m'épouser. Pardon, enquêtez un peu. Non, enfin, là, on voit ça dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un pays au monde qui dépend des caméras pour le Congosa? C'est-à-dire que si on a réussi à mettre le Congosa dans le dictionnaire Larousse, c'est-à-dire que notre degré de Congosa, c'est la totale. Avant, on pensait que oh, le ciné, même les services d'enseignement camerounais sont dans nos pages pour prendre le véritable Congosa. Vous pensez qu'ils font comment? Vous pensez qu'on va faire comment? Oui! C'est la vérité. Les gars sont capables de détecter que, oh, mais ça me tape sa femme, jusqu'à ce que ça se publie partout.
Tout, elle dit que tu es en train de servir. C'est, le dossier est versé à la TKC. Le dossier est versé chez les FD. Le dossier est versé chez les Lolo. Quand j'ai appris ça, mon frère me sent, c'est ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. Que tu n'as qu'à. Il t'a dit, oh, comme il dit, tu as déjà attrapé le Congo ça là aujourd'hui. Voilà. Tu prends un Vemba, un gars qui, un gars d'Enganda, tu envoies ton dossier à Lolo. Avec les trois gars là, Fleur de Lille, Compressor et Lolo. Si le gars là s'est trop caché, ça va même pas durer 2 heures. Si le gars là s'est trop caché, ça va faire 2 heures. Parce que si le gars ne s'est même pas trop caché, au bout de 2 minutes, tu sors le dossier. Parce que les gars là, tu ne sais pas comment leur pendium se trouve. Quand tu tapes seulement que tu as là, bim, dans 2 minutes, tu prends seulement le portable de Compressor ou de Lolo, de Flore, de Lille. Maman, tu vois comment les décharges arrivent. Maman, ils envoient avec vidéo à l'appui. Avec vidéo à l'appui. Des fois, ils sont obligés même de fois de demander certains renseignements de l'autre côté là, parce qu'elles ont une force de frappe pas possible. Vous parlez de quoi? J'ai été victime. Je suis en train de prendre mon bus à Yaoundé. Que je suis comme ça, dans le VIP. Je regarde Facebook, je me vois en train de... Non. FDL, chapeau. Je vous donne le tchaka. Que je suis comme ça avec mon bus. Je suis en train d'attendre le bus. Fort de Lille fait un poste. Je dis que, hey, j'ai regardé le poste de Fort de Lille. Je me vois en train de me voir là-dedans, dans la même position. Il dit que, hey, je me suis tourné comme ça. Il a fait ça. Hey. Coco, tu as 3 de tes soeurs qui dirigent le plus gros service de renseignement camerounais. Le plus gros service de renseignement camerounais, ce sont les 3 gars-là. Tu envoies d'abord les 3 gars-là sur Vimba. Pour confirmer le code. Une fois qu'elle a dit que non, le dossier est propre, Cécile. Une fois qu'elle te dépose le dossier, tu ne crains plus rien. C'est une victime qui parle, non? Je partais prendre mon car, je partais à Douala, parce que l'avion était plein. Pendant que ça le prend de mon car, je me vois, elle dit que, vous ne pouvez pas imaginer ça. C'est-à-dire que tu te vois toi manger de prendre le car dans le poste de Fleur de Lille. Je dis, yes. À partir du jour-là, j'ai dit que non, je ne sais même pas pourquoi Mbangui se prend la tête. Ça va avec les 3 là. Il n'y a personne dans la diaspora camerounaise qui ne connaît pas les 3 gars là. Et les 3 gars là, ma soeur Coco, les 3 gars là drainent un parc d'informations que même la police camerounaise n'a pas l'information que les gars là ont. Les gars là ont les nudes des ministres comme ça dans leur téléphone que les gens envoient seulement comme ça là. Même à pas regarder là-bas dedans. Mais frère m'a dit que non, Amère, tu es ma personne, je ne peux même pas. Mon dossier arrivé là-bas, on m'a envoyé mon dossier moi-même. Moi, tu me regardais même comme si j'étais que, hey, donc, ma cœur Coco, tu ne peux pas faire les erreurs comme ça là. Tu ne peux pas. Tu as été trop amateur dans cette situation là. Non, ne mets pas le cœur, mets les poumons. On est en 2022. Les filles, mettez les poumons et non le cœur. Parce que le poumon pompe l'argent et le cœur pompe le sang. Moi, je l'ai. Ouais. Vous. Oh, envoyez le cœur, envoyez le cœur. C'est toi qui étais. Vous faites tout l'esprit, vous êtes souvent là. Vous êtes nos stars camerounaises. Si tu veux savoir si ta femme te trompe, envoie ça là-bas. Et le recet est rapide, hein. Le recet est rapide. La preuve. J'étais moi à la maison tranquillement. On m'envoie un voice que, oh, il y a une affaire qui arrive, mais ça me tape sa femme. Dans un voice. J'ai dit que, merde. Oh, Amère, Kamer, ça arrive, oh, ça arrive là-bas. J'ai Wanda comme ça qui dit que, hey. Je me suis tourné comme ça, il dit que, merde. Je regarde encore le voice, je vois comment c'est mentionné. Il dit que, hey. Vous avez besoin de servir de renseignement là. Non, actuellement, tous les services de renseignement sont à la disposition de Coco. Donc moi, Coco, moi, c'est un message qu'il t'envoie. Hein. C'est un message qu'il t'envoie. Ne pense pas que... Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Et je te parle en tant que victime. Ma chérie, je te parle en tant que victime. Ton mari, là, maintenant, il sera traqué. Ça dit que chaque truc qu'il va faire... Il a dit que les réseaux sociaux, on va le servir. On va le servir.
C'est pas possible. Le gars vient comme ça, là, il voit un bon compte. Il mange le compte jusqu'à il casse le plat, mon frère. On fait ça pour Adama. On fait ça encore. Tu manges le congé, tu manges le congé, tu finis de manger le congé, tu casses le plat. Est-ce qu'on fait ça encore de nos jours? Non. Voilà. Franchement, je dis encore merci à tous ceux qui m'ont donné le vêtement. Je vous dis merci, merci, merci. Là, vous avez fait du bon boulot. Je ne m'attendais pas à autant. Mais la prochaine fois, quand vous donnez le vêtement, donnez aussi l'argent pour l'envoi. Hein. Ce n'est pas passé, elle dit merci, merci, là, que vous allez penser que... Oh, vous avez compris, on continue. Ce n'est pas fini. Parce que de temps en temps, il faut faire les pauses. Je prends encore ça et amène ça ici. J'apporte ça ici. Voilà. Ok, il y a les gens comme ça dans le Congo, ça si vous nous partagez. Oh, partagez. Ne me faites pas les mots comme ça. On ne peut pas être 900. Il y a seulement 200 partages. Pourquoi vous me détestez comme ça là? Oh. Après, quand on va bloquer ma page, vous allez me chercher, là, vous n'allez plus me voir. Quand on vous demande de partager et de liker la page de la mère, mais vous faites un genre. Continuez. On doit donner les... Non, moi, je dis toujours la vérité. Je dis toujours la vérité. Ça veut dire que là, les filles sont en train de prendre le problème de Coco à... Oh, le gars-là va subir. Le gars-là va subir. Il ne peut pas échapper. Il ne peut pas. Parce que nous, la confirmation... Parce que la manière que Compressor a dit hier, je fais comment. Il y a la compression que Mbombo, et j'ai déjà encore. Un chercheur, le problème que ma mère, quand même, te dit que j'ai déjà encore. Là où le gars-là est. À partir du 1er janvier 2022, même quand il pisse, il sera filmé. On va même détecter les urines. Tu vois, on partage le commérage wonderful. Mon frère, Céleste. Comme tu dis qu'on partage le Congo, ça wonderful, je vais te bloquer, tu vas aller chercher un autre profil. Comme ça, tu vas demander, comme le son... Attends. Céleste, va te bloquer. On partage le Congo, ça, wonderful. Je vais te bloquer. Voilà. Non. On n'est pas là. Non, elle ne peut plus attendre. Non, laissez ça. Alors, lui, où c'est parti, là, c'est devenu un problème diplomatique. Ça, c'est devenu un problème diplomatique. Et qui? Il y a Dieu dit, quitte à avoir les problèmes avec l'État camerounais, que d'avoir les problèmes avec Compressor Lolo et Flore de Lille. Parce qu'avec l'État camerounais, tu es sûr d'une chose, c'est que tu sortiras vivant. Mais avec les Trouanga là, et en plus, comme elles sont en trilogie maintenant, vous pensez que Maline derrière, pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, il faut voir les choses à distance. Les histoires desquelles ils crachaient Flore de Lille, c'est fini. Quand les gens me disent, oh, amen, oh, tu fais pas ce flot, maman, je vais laisser en vie. On continue. Vous-même. Ouais, vous-même. Amen, tu ne peux pas raisonner une femme. Non, elle va, non, Facebook raisonne les femmes amoureuses. On vous a dit qu'il aime encore. Vous fumez les. On vous a dit que Coco l'aime encore. Rien que pour l'honneur personnel de Coco, un peu même plus bas. Là où l'anga moufole les photos. Vous pensez que Coco c'est un boule. Vous pensez que Coco c'est un boule gars. Hein? Et vous ne comprenez pas. Vous pensez que Coco c'est un boule gars comme ça là. Oh, elle met le cœur. Non, le tout si Coco va mettre les poumons. Elle enlève le cœur, met les poumons. Comme ça, elle va pomper l'argent. Quelqu'un vient, mais on pense qu'il a. Quelqu'un vient, on est là. Oh, on est content. On marche au village. Notre soeur épousait un milliardaire. Jusqu'à je me vantais même. J'insultais même les Ivoiriens. J'étais en train de dire que, oh, on a arraché Coco. Regardez comment les Ivoiriens sont contents aujourd'hui. Ils sont contents. Mais oui. On va dire quoi?
Ils sont comme ta mère une demi kejum. Oh, on a arraché la femme, hein, on a récupéré. Quand ils voient une attache femme, la Camerounaise ne peut pas prendre. Hein, Camerounaise ne peut pas prendre. Ça n'a même pas duré, on vous avait dit. Quand ils pensent ce que la fille a dépensé pour le mariage là. Quand ils pensent le bruit que la fille a fait pour le mariage là. Maman, jusqu'à le gars est là-bas. On pense qu'il est milliardaire. Ça allait même m'étonner. Un milliardaire de Nganda. Milliardaire de Nganda. Donc vous qui allez épouser, vous qui allez épouser les gars là dehors là, renseignez-vous sur les familles des gens. Vous qui allez épouser les gens là dehors, renseignez-vous sur les familles des gens. Pardon, vous ne me décevez pas comme ça. Il y a seulement 300 partages. Ouais, les gars. Vous êtes même comment? C'est à cause de vous que le live rame. Après, il n'y a pas le son. Après, vous entendez que le live a sauté. Vous pensez que quoi? Quand vous voulez épouser les gens, allez vous renseigner dans leur famille. Quelqu'un veut épouser une fille, il n'y a pas son père, il n'y a pas sa mère. Il n'y a pas les membres de sa famille. Vous êtes même comment? Quelqu'un vient dans ta famille pour épouser ta soeur. Son père n'est pas là. Son oncle n'est pas là. Ses cousins ne sont pas là. Il n'y a que ses amis. Hé, hey, maman. Comment on dit, tous ces cas sur Facebook ne jugent jamais. C'est la vérité. Vous voulez vous marier pour Facebook? Vous avez la dose de Facebook. Le buzz. Le buzz que vous aimez chercher. Je suis déjà marié. Je suis déjà marié. Voilà ma part de mari. Voilà ma part de mari. Ah, les vrais boulots. Pas les trucs qu'on vend à Mokolo là-bas. Voilà. On a épousé Marie. Hein? Ma soeur Marie. Ma soeur Marie est un milliardaire. Ma soeur Marie est un milliardaire. Il n'a pas les yachts. Il n'y a pas les hôtels. Ma soeur Marie est un milliardaire de Nganda. Tu pars chercher. On te dit que non. Eh, hey, maman, la honte de ça. La honte. Eh, hey, Gombo, Yubio, Bandourou, Gandare. Grand, que on dit que ça mignon. Allez, Bandourou. Maman, serre le cœur. Maman Coco, serre le cœur seulement. Les Congolais sont toujours comme ça. Les Congolais, le faux. Ils sont faux. Les Congolais partent tu épouser leurs soeurs. Les Congolais n'aiment pas les soeurs des autres. Maman, serre le cœur. Tu comprends, hein? Ne te prends pas la tête. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais la prochaine fois, et ça c'est un message que j'envoie à tous les gens. Si tu es en couple, prends la photo pour vérifier si vraiment ton mari est fidèle. Envoie ça au service de renseignement du Congo Sa Camerounais. Tu envoies ça à Lolo, tu envoies ça à Facebook. Dans les 2 minutes qui suivent, on va te dire si ton mari est propre ou pas. Je vous dis. C'est une vérité, ma chérie. Je ne sais pas pourquoi les Ngakamé aiment vite se marier sans. Maman, Christian dit, quand le gars vient te bluffer avec les milliards, il t'offre les voitures, il t'offre les diamants, est-ce que tu n'as que c'est le tchat? Tu ne connais pas que c'est le tchat. Toi, tu penses peut-être que oh, le gars là, Yamo, l'angapa, ce but, le gars là, c'est. Que le gars a pété Yamo ta soeur. Non, il n'est déjà pas ta soeur. Le gars est dans son modèle. Le gars a compris que Coco Emilia, elle est populaire. Il a compris que comme Coco Emilia est populaire, je peux manger dans la popularité de Coco Emilia. C'est ce que le gars a fait. Le gars, il a quoi? Il a quoi que les Camerounais n'ont pas? Il a quoi que les Camerounais n'ont pas? C'est la question qu'il faut se poser. Ne tournons pas autour du pot. Il a quoi que les Camerounais n'ont pas. Je dis, vos maris qui fréquentent les Ngandas là dehors, envoyez leurs photos. Vous parlez seulement des malhonnêtes. C'est à cause de vous que les femmes là sont là dehors. Tu ne peux pas faire quelque chose de simple. On te fiche, on te prend pour les autres. On dit, regardez-moi alors les Camerounais. Regardez-moi alors. Voilà. Une jeune fille comme ça, la jolie, belle, elle prend son cœur, elle donne à un gars. Oh, voilà mon gars, elle prend le cœur, elle met. Elle met les poumons, elle met tout. Après, elle venait nous chanter la chanson. Elle dit quoi le tout aussi? Ils vont rester ensemble, ils vont rester quoi ensemble?
Amen. Amen. C'est le mérité. Bon, on va quitter sur le sujet. On va tomber. On va faire une petite pause. On arrive sur le sujet de Messang. Messang, c'est le Congo ça qui traîne sur ton nom, je te dis. Dehors là-bas, ils ont déjà dit qu'ils vont te saboter. En disant que tu as un Atanga. Voilà le Congo ça qui a sur toi. Non, qu'ils ne te disent pas là-bas que si tu entends ça dehors, Amen, elle t'a déjà averti. Donc si tu entends ça dehors là-bas. Voilà les gars. Les gars veulent les garçons flash. Aujourd'hui, les gars veulent les plaquets or. Les gars ne veulent plus l'or. Elles veulent le plaquet parce que le plaquet brille vite. Tu ne peux plus dire à une soeur que chérie, calme-toi. Tu ne peux plus dire à une soeur que oh maman, calme-toi. Ça va arriver. Prends ton temps. Les gars te disent que non. Elles veulent aussi les vrais gars. Elles veulent les gars chocos. Elles veulent aussi le genre des gars que. Qu'elle arrive comme ça, on dit aussi que non. Le gars est arrivé. Les menteurs, elle veut les mboka. Elle veut les gars qui mentent matin, midi, soir. C'est le genre de gars-là que les gars veulent aujourd'hui. Après, quand tu vas parler, on va te faire comprendre que. On va te faire comprendre que non. Tu n'as pas tort. Tu as tort. On va te faire comprendre, te laisse. Tu es jaloux. Tu es jaloux de Mvemba. Tu es jaloux. Voilà maintenant notre soeur qui a les pleurs du boulet. Voilà notre soeur qui a les pleurs du boulet maintenant. Les supporters de Mvemba, venez encore parler. Venez encore parler. Bande de Mvemba. Vous aimez mettre les soeurs des gens. Voilà un sac que j'ai eu au tcha. Au tcha paye. Pourquoi m'a vendu le sac à 300 euros? Ça, un bon tcha, mon frère. Hey! C'est un Congolais qui m'a vendu ça. C'est un Congolais. C'est leur travail. Quand un Congolais te tape quelque chose, ça passe. Les Congolais ne sont pas dans l'embrouille des caméras. Quand un Congolais te tape quelque chose avant que ça passe. Je teste avec deux, parce que j'ai deux. Maman. Maman, le sac là. Hey, maman. Vous savez comment il voyage? Vous savez comment il voyage demain? Je vais vous dire comment je voyage demain. Vous allez Wanda. Attendez, je vais vous dire si j'en ai. Voilà comment je vais voyager demain. Voilà mon habillement du voyage. Zéro embouteillage. Voilà comment je m'habille demain pour go. Je pars comme je suis venu. Je dois montrer que la Coupe d'Afrique, là, c'est vraiment au Cameroun. Voilà, attendez, je règle ça bien parce que, voilà. Ça, c'est ma tenue traditionnelle de demain. On est en pause, on fait une pause. Tant qu'il fait la pause, à vous partager. Ça, c'est comme ça que je pars demain. Avec. Donc, c'est comme ça que je pars demain à l'aéroport. Donc,
Donc, n'allez pas dire que non, nous, on est traditionnalistes. On est ce qu'on appelle dans Bombidjou. Donc, avec le sac. C'est-à-dire, voilà comment je go demain avec le sac. Avec mon maillot de Paul Biya. À l'intérieur, il n'y a pas d'ambiguïté. Le service est là. Comme ça, quand ils sont à l'aéroport, on sait que non. Le lion est là. Tendez vos chaud. C'est comme ça que je m'habille quand il m'envoie. Quand il rentre au Cameroun, voilà comment je m'habille. Je mets, voyez l'autre que je n'ai pas encore posé. Voilà. Je m'habille comme je suis venu. Voilà. Voyez un petit peu. Je m'habille comme je suis venu. Mon pantalon avec les bombes derrière là. C'est comme ça que je suis à l'aéroport. Quand je suis à l'aéroport, les gars me prennent pour un véritable sorcier. Voilà. Donc ce n'est pas que non. C'est propre. J'ai encore d'autres attributs là que j'ai oublié de charger. Je vais charger ça demain. Comme ça, quand je débarque là-bas, maman, il faut voir comment les gars paniquent souvent. Ah oui. Ah, c'est sûr que c'est. C'est ce que c'est, un grand maître marabout. Attends, mais les autres me mettent à son coin. Attendez, je vais vous sortir ça. Non, ouais, je n'ai pas. Je n'ai pas ça, je vais vous sortir ça. C'est un autre colis que j'ai pris. Voilà. Bon. Coco t'attend au bled avec les plaintes. Ok. Ouais, que. Amec, Amec, tu es le zombie de Bassa. Tu es un axe. Non, moi, je. Bon, on continue. On continue. Attends, je prends l'autre. J'ai deux pinces personnes. Bon, on était où? Rappelez-moi, le Congo, ça était à quel niveau? Il faut encore enlever. Bon, on tape un peu, on revient un peu sérieux. Je me repose un peu. Tu veux que les plaintes m'attendent au pays. Maman, on ne porte pas plainte à qui. Voilà.
Il y a un Congolais qui traîne dans les réseaux sociaux. On m'a dit ça aujourd'hui. Mais sans faire attention. Hein. Mais sans faire attention, il y a des gens qui tournent autour de toi, qui font le Congolais sur toi très mal même. Ça arrivait dans mes oreilles. Apparemment, c'est Courtelina qui va annoncer ça dans les réseaux sociaux. Ah, mais tu es incontournable, chapeau à toi. Merci, Fonny. Il faut aller dépanner Billy avec le plein. Hé, vois comment je pars. J'ai 5 valises. J'ai 5 valises comme ça, là. J'ai comme ça, là, 5 gros sacs. C'est les cadeaux. C'est les cadeaux des enfants. J'ai comme ça, 5 gros sacs. C'est les cadeaux des enfants. Ce n'est pas pour moi. Siri a demandé que ce sont les fêtes que tu ailles aider Billy. Non. Laissez un peu le nom de Billy tranquille. On est en train de parler des vraies choses. On est en train de parler des vraies choses. Je tiens déjà à mes soeurs que je vais vous apprendre les réseaux sociaux. Quand tu sors avec un gars, publie-le. Quand tu sors avec un gars, mets-le en photo de profil. Je m'adresse aux femmes. Les histoires de que mon homme, je n'aime pas les réseaux sociaux. Maman, si un homme te dit qu'il n'aime pas les réseaux sociaux, là, si tu sors avec un mec à mère, et que tu as le courage de publier un mec à mère, publie. Publie. Je vous dis, oh. Parce que vous, les femmes, qu'on ne vous manque pas. Qu'on ne vous manque pas, mes soeurs, le paradis, c'est sur terre. Ce qu'on vit là, c'est le paradis. Hein? Il n'y a pas un autre. Donc, je vais vous prendre un exemple bête. Ça veut dire que toi, tu as venu me dire que... Toi, tu as venu me dire que... Les filles, ce que je vous dis là, c'est important. Affichez vos gars. Affichez vos gars. Vous pensez que quoi? Quand tu affiches ton gars, quand tu affiches ton gars, on sait. Parce que vous n'êtes pas populaire comme nous. Moi, je ne peux pas faire les couleurs. Parce que si moi, j'affiche mon gars, maman, on va la déchiqueter avant le matin. L'avantage que nous, les blogueurs, on a, c'est qu'on sort avec les gars qui ont terriblement peur des réseaux sociaux. Mais toi, ma chérie, si tu sors avec un gars, publie-le. Mets-le en photo de ton profil. Et tu attends. La fille qui va venir dire que va discuter avec la fille à Nimbé. Va discuter avec la fille à l'inbox. Les histoires de que tu sois avec un gars, je ne veux pas voir ma tête dans les réseaux sociaux. Pisse sur ça. Ça mec, quand même qui te parle. Pisse sur ça. Moi, quand je suis comme un docteur, j'ai affiché. À partir du moment où un homme prend le temps de poser une fille sur son Facebook, il faut qu'elle assume le retour. Le problème, c'est que docteur n'a pas assumé le retour de ça parce que c'est foudroyant. Vous pensez que Mafou n'affiche pas son gars, pourquoi? Vous pensez que Lolo n'affiche pas son gars, pourquoi? Vous pensez qu'Amé Kamé n'affiche pas son gars, pourquoi? Parce que le retour est satanique, diabolique, méchamment. Mais vous, les filles qui n'êtes pas populaires, affichez vos gars, mettez vos gars en photo de profil. Et là, tu attends. Vous parlez de quoi? Le gars a venu te dire que, oh, je n'aime pas, je ne veux pas que ma vie privée soit sur Facebook. C'est lui qui a Snapchat, c'est lui qui a Facebook, c'est lui qui a TikTok, c'est lui qui est dans tous les réseaux. Mais quand c'est ton tour, Marco, il vient te dire que je ne veux pas que mon nom soit sur Facebook. Majona, Wadouk. Wawok, Wadouk. Il va mettre ta photo. J'aime mettre ta fongue. Osengi. Amoto. Osengi. Vous êtes là, vous sortez avec les gars. Oh, quand un gars te dit déjà que je ne veux pas ma photo sur Facebook, maman, c'est que là, les gars, des comme ça, là. C'est verser quoi? Pour ta propre vie. Avant de transférer le gars de ton poumon vers ton cœur, maman, pendant qu'elle est dans ton poumon, hein. Fichable partout. Partout. Mets-le dans ton profil Facebook. Mets-le sur ta photo Snapchat. Mets-le sur ton WhatsApp. Mets-le sur ton Telegram. Mets-le partout. Maman, tu attends un mois.
Et quand quelqu'un vient liker, quand quelqu'un dit que entre en contact avec la personne. Entre en contact avec la personne. Parce que tu ne sais pas que la personne, tu vas dire que tu ne sais pas qui la personne. La personne peut être la Njomba ou bien l'ex de ton gars qui connaît des dossiers lourds. Qui connaît des dossiers très très lourds. Ton gars va te dire que, salut Tostas. Ton gars va te dire que, oh, oh, moi je ne veux pas que tu mettes ma photo. Si tu ne veux pas qu'on mette ta photo sur Facebook, idiot, c'est toi qui as Instagram, c'est toi qui as Snapchat, c'est toi qui as WhatsApp, c'est toi qui as Facebook, c'est toi qui as Twitter. Et tu viens dire à ton gars que tu ne veux pas qu'on mette ta photo sur Facebook, mais bro, sérieusement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et toi, la fille, tu acceptes. Tu acceptes quoi? Tu acceptes quoi? Marco, je te dis, tu acceptes quoi? S'il vient te draguer, qu'il est en couple, gâte là-bas. Oui. Si le gars est en couple, va gâter. Parce qu'il est venu te trouver. Tu étais seul. Tu n'as pas colle. Il a commencé à te draguer. Il a commencé à te draguer. Prends sa photo. Maman, je vais te donner les techniques de guerre. Pour ces hommes-là, tu crées un profil. Tu prends son nom de famille, tu colles. Tu crées un profil Facebook. Si par exemple, il s'appelle Onet, comme moi je m'appelle Onet. Tu prends, je vais, par exemple, Yamanga qui est Prudence. Tu n'as même pas honte. Je vais te laver tout à l'heure. Tu prends, tu mets peut-être Prudence et Oné. Tu fais la demande d'amis à tous les gens avec qui. C'est-à-dire, tu entres, pam. Tu mets la photo d'une belle femme. Tu mets Prudence et Oné. Tu fais demande d'amis à tous ses soeurs, à tous ses frères. Tu fais demande d'amis. Pendant que tu es là, tu es là, tu discutes. Pendant que tu es là, tu discutes. Maman, à un moment donné, erreur from Boutoukou. Le gars va tomber. Chérie, ne te prends pas là. Sur Badou, ouais. Mais ça, il dit que le gars va tomber. Appelle-moi sur l'autre téléphone, s'il te plaît. Quand tu as fini de faire ça, en même temps, tu affiches ta photo. Sur toi, tu as mis, et que tu remplaces ta photo. Sur ton vrai Facebook. Après, tu viens discuter avec ton vrai gars maintenant. Tu es là sur Facebook. Tu prends le nom. Avec le nom à la fin. Oh, c'est comment, cousin? J'ai vu que tu es maintenant marié. Tu attends la réponse. Tu attends la réponse. Tu prends la photo du gars. Tu mets dans ton vrai Facebook. Tu crées un faux compte avec le nom du gars et avec la photo d'un autre gars. Tu vois un peu. Et tu commences à josser avec le gars. Tu prépares le terrain. Tu josses avec le gars même pendant une semaine. Il ne peut plus te draguer parce qu'il est bloqué. Parce que tu as déjà dit que tu es sa cousine. Et que demande-moi. Pendant ce temps, tu joues avec tous ses frères. Après, il dit que, hé, cousin. Tu ne m'as pas dit que tu étais en couple, là. Tu prends la photo maintenant là où tu as mis avec ton vrai nom. Tu envoies au gars. Tu attends la réponse. Quand il va dire que, ah, ce sont les gars qui se cherchent derrière moi. Quand il va répondre comme ça. Ma chérie, tu enlèves le cœur, tu poses à côté, tu prends la calculatrice, tu mets là-dedans. Il vient chez toi et puis s'y paye. Il vient chez toi et puis s'y paye. Là où tu l'attends à l'eau au tournant, je vais te dire comment tu vas faire pour le tchakaliser. Là où tu l'attends au tournant, tu essaies d'entrer en contact avec sa vraie femme. Tu gardes. Maman. C'est-à-dire que tu prends le temps. C'est-à-dire que la vengeance, c'est une question de temps. Mako, tu josses avec Sanga every day. Every day. Pendant que tu josses avec Sanga, il vient chez toi, non? Filme-le. Filme-le. Je vais te donner une vraie technique. Une vraie technique. Quand le gars arrive chez toi, Mako, tu fais un bon repas amoureux. String porte jartel.
le genre qui n'a pas encore vu. Maman, tu le chopes d'abord, Louis. Tu deviens la salope XXXL. Tu le fais d'abord, Jean. Jean, un genre que, mais il n'est pas encore t'aimé, parce que c'est la nièce qui le t'aimait finalement. Tu le fais, Jean. Jean. Quand tu sais là qu'il est dans une étape déjà où, maman, d'habitude, tu lui dis souvent que tu n'aimes pas le derrière. Tu dis que chérie, commençons devant, on va finir derrière. Pendant que le gars, il est motivé, qu'il va t'ignasse derrière, non. Parce que les garçons sont très vicieux. Maman, quand le gars est à Jean là, alors, il t'ignasse. Quand il a déjà joué là, bam. Tu fais la fille naïve. Chérie, quand le gars va fermer l'œil, tu fais vidéo, tu masques ta voix. Tu envoies ça à sa femme. Tu envoies ça à tous les membres de sa famille. Tu dis maintenant, c'est un but partout. Tu regardes, il dit que tu gardes. Si tu as le WhatsApp de ses enfants, tu envoies ça dans le WhatsApp de ses enfants. Parce qu'en voyant ça là-bas, ça prévient tous les gars qui sont derrière, qui voulaient... Maman, tu t'acalises le coin. Quand tu finis, tu te mets là maintenant. Maman, quand tu fais ça, tu as préparé ta puce les barres. Quand tu finis de filmer, tu envoies partout, tu prends, tu casses, tac, 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 tu jettes. Sa parole contre ta parole. One by one. Faut amener les preuves. Il va faire comment? Et tu es là, il sait que c'est toi, tu sais que c'est lui, mais la loi ne peut pas prouver. One by one. Tu as chacalisé sa famille, le feu sort. Maman, c'est soit sa famille, toi ton cœur, tu choisis quelque chose. Maman, soit sa famille. Si tu veux qu'il soit bien dans sa famille, que toi tu souffres tout le temps. Les parents te promettent un divorce qui ne viendra pas. Maman, tu gâtes. Oui. Tu vas voir, quand tu vas gâter comme ça, pense à ce qu'il allait te faire. Pense à ce qu'il allait te traumatiser. Maman, vous les gars là dehors, si vous avez un petit problème, je règle ça. Il n'y a pas un problème n'est que moi qui me pâche. Maman, je suis un homme avec le cœur d'une femme. J'ai le mauvais cœur des femmes dans le feu sort. Parce que les femmes ont une capacité qu'on appelle, c'est-à-dire que les femmes ont ce qu'on appelle la persévérance et le nihbe. Allez, mangez moura la nihbe ou 10 ans. Il y a un yible ou un miss, un kengwe, ok là. Un kengwe, on ne va pas te dire. Donc là où le Mvembala se trouve, la Camerounaise sur qui il va tomber, il va d'abord le jackpot. Il va prendre le jackpot le jour là. Vous parlez de quoi? Ma copine a fait le coup à son gars, il s'est pris à son propre jeu. Tous les Njumba sont retrouvés. Amen, tu n'affiches pas ton gars parce que tu n'es pas. Le roi quel? L'anga qui veut sortir avec moi, qui veut ficher. Moi, mec, amen. C'est parce que Manga n'aime pas les réseaux sociaux. Vous parlez même de quoi? Vous savez comment on traumatise les gars ici dehors? Vous êtes là. Les gars vous mangent tous les jours, ils vous malassent comme ils veulent. Non, tu viens avec. Le gars ne vient même pas avec les poumons. Le gars vient avec les intestins. Vous, les femmes là qui font les chichis dans les réseaux sociaux là, on vous parle, je l'aime encore. Maman, le gars lui t'aime qu'avec les intestins. Même pas le poumon. Même pas le cœur. Lui, c'est les intestins. Il t'aime avec les intestins, les noyaux. Toi, tu as mis le cœur, mon frère. Un truc qui pompe le sang. Tu me. Non, ma chérie, réveillez-vous. 2022 arrive. Tu me trompes, je gâte. Oui. Trouvez d'abord le point faible de tous vos gars. Surtout si tu sais qu'il est marié. La technique que je viens de vous donner là, je vous dis, elle est infaillible. Infaillible. La technique que je viens de vous donner là. Tu prends le nom de ton gars. Tu tapes recherche dans Facebook. Tu vas tomber sur un de ses frères. Tu vas tomber sur une de ses soeurs.
Tu joues avec ton frère. Oui, tu connais notre copain. Oui, tu as une cousine aux États-Unis, elle s'appelle Tantan. Tu dis même que tu es aux States. Maman, tu gères le gars en 4-4-2. En 4-4-2, tu gères en 4-4-2. Oui, attaque en abeille, retour en fourmi. Le gars là va parler, il dit que tu vas entrer dans sa vie comme le livre des records. Il va rester comme ça, il dit que merde, l'Angala m'a fait. L'Angala m'a fait. Quand le gars va enchaîner un divorce bien dosé et qu'il a perdu son work et qu'il se retrouve dans une case de métro, c'est là qu'il va comprendre qui est qui. Qui est qui? 2022, celui qui veut aimer avec les poumons, tant pis pour lui. Avant d'aimer une femme avec le cœur, avant d'aimer un gars avec son cœur, rassure-toi d'abord que tu es dans le même projet que ton gars. Parce que quand tu es dans le même projet que ton gars, tu es sûr d'abord de limiter la casse. Tu limites d'abord la casse. Mais si tu n'es pas dans le même projet que ton gars, ça veut dire que tu es là seulement. Le gars vient te gnasse, il te promet qu'il va t'épouser. Et le pire de l'histoire, c'est qu'il y a certaines femmes qui sortent même avec des gars qui sont mariés. Elles aiment quand même. Elles aiment carrément. Hein. Elles aiment carrément. Quelqu'un soit avec un homme marié, elle met le cœur dedans. Maman, sa mère quand même qui te parle. Tu commences là-haut par gâter le mariage là. Tu gâtes ça. Vous parlez de quoi? Vous savez, le lien qu'il y a entre l'amour et la guerre. Vous savez là, vous, est-ce que vous savez seulement le lien qui est entre l'amour et la guerre. En amour, celui qui aime trop subit à la guerre, c'est celui qui a le fusil qui fait subir. Donc, celui qui aime trop en amour, c'est comme celui qui n'a pas le fusil en guerre. En amour, c'est celui qui n'aime pas trop qui prend les décisions. Parce que le gars n'a pas le cœur, il a le poumon. Si un poumon est détruit, l'autre peut prendre le relais. Comprendrez? Si toi et ton homme dans la maison, vous n'avez pas le même projet. Si quand ton homme parle affaire, il ne te met pas dedans. Ma chérie, commence à te poser la question, as-tu à quel numéro? Commence à te poser la question que tu as à quel numéro? Que ton mari, ton gars en train de construire au pays, il ne te demande même pas que, ouais chérie, il n'y a même pas le camion de sable. Ouais chérie, bon, je suis en train de construire une maison, est-ce que tu veux que toi et moi, et qu'il n'utilise pas le toi et moi? Marco, tu dis que quoi? Quand le gars vient te draguer, tu dis que tu es en train de construire. Tu dis que, mais chérie, il n'y a pas de souci. Je vais te payer ton camion de sable. On va d'abord changer le titre fonction. On dit que le titre nous appartient tous les deux. Tu veux que tu payes le camion de sable, non? Tu veux que tu payes les papiers, non? On va changer le titre foncier, là. On met que le terrain nous appartient tous les deux. Tu dis que, coucou, je t'aime, hein? Je t'aime énormément. Mais n'oublie pas quelque chose. C'est d'abord la raison avant l'amour. D'abord la raison avant l'amour. Et c'est ça la vérité. Oui. Moi, je wanda souvent sur les gars. Hein. Je wanda souvent sur les gars. Ça me wanda souvent sur vous. Merci Wallen Chapou. C'est une vérité que je vous dis. Les gens ne peuvent pas vous dire cette vérité-là comme ça. Là. Je vous prends l'exemple avec Fleur de Lille. Vous pensez que Fleur de Lille peut sortir avec moi s'il n'est rien? Ou bien peut sortir avec Fleur de Lille, si Fleur de Lille n'a rien. C'est d'abord la raison qui nous unit. D'abord la raison. Elle va rester comme ça. Elle dit, amen, pose-moi ton patrimoine au sol, je vois. Moi-même, je dis, pose d'abord au sol, je vois. On vérifie. À partir du moment où on a la stabilité financière, l'amour peut naître. Oui. Parce qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, le prix est flou, le prix est lourd. Vous parlez de quoi? Vous sortez avec les gars là dehors qui vous trimballent comme des papiers géniques, mais le papier génique même à la valeur. Non, oui, Amer, je l'aimais ce gars, il m'a dit qu'il allait divorcer. Ça fait 5 ans que j'ai attendu, ça fait 5 ans que j'ai attendu le gars. Il me fait mal. 5 ans. Restez. Et tu es aveugle. Tu ne sais pas qu'attendre un garçon 2 mois déjà, c'est un long séjour. 2 mois, c'est un long séjour. Tu parles de quoi? Non, je lui faisais confiance. Il m'a dit qu'il allait divorcer avec sa copine. J'accompagne même ses enfants. Maman? Hey! Tu fais quoi le divorce? Le divorce, ça change quoi? Vous, les filles, vous avez cette habitude que... Oh, le gars va... Est-ce que c'est le divorce qui... Le divorce, c'est quoi? Filmer le gars à poil, c'est plus important que le divorce.
Tu me parles de quoi? Filme le gars là à poil, c'est plus important que le divorce. Une fois que tu as déjà tchakalisé là-dedans, parce que tu dois être wise dans ta tête. Ça dit que dans ta tête, là, c'est le feu, la folie. Dis que maman, je n'envoie pas ça à ta femme. J'envoie ça à ton père, à ta mère, à tes enfants. Ta femme, c'est pour la cheville. Oui. Tu parles le mot de ses enfants. Tu envoies ça là-bas. Où il a poil en elle, tu envoies ça là-bas. Dis que voilà, quand son fils va voir que son père trompe, tu tchakalises d'abord le lien parental entre lui et son fils. Tu coupes ça. Oui, l'amour, c'est comme la guerre. L'amour, c'est comme la guerre. C'est un peu un jeu d'enfant. Quoi? Le divorce, c'est-à-dire que vous, les gars, vous m'étonnez souvent. Tu sors avec un gars, tu passes, que j'attends que le gars divorce. Tu t'attends quoi? Tu prends ce qu'on appelle le jargon du quartier, pièce à conviction. Pièce à conviction. Imagine-toi, tu as la photo d'un gars à poil qui est marié. Man, tu fais quoi le divorce? Tu prélèves son salaire à la fin du mois. Si tu te dis d'envoyer, tu dis que ma chérie ne t'inquiète même pas. J'envoie qu'à son fils. Son fils voit son père sur une autre gars. On ne va pas te dire à la maison. Tu traumatises la famille. Quand ça chauffe un peu, tu prends la vidéo, tu envoies ça à sa belle-mère. Tu envoies ça à sa famille. Pourquoi? Non, 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 non. Hey, maman, on joue en 4-4-2. Tu entres du côté opposé pour sortir de l'autre côté. Tu te renseignes bien. Sa belle-sœur qui le déteste le plus, c'est là-bas que tu envoies la vidéo. Tu mets PS, mets dans le forum de la famille. Imagine-toi le gars qui gonflait là, qui arrive encore. On sait que tout le monde a poil là. C'est-à-dire que dans la belle famille, on voit que tout le monde a ta photo là-bas. Maman, même si l'Angala voulait venir, elle, rien que pour le respect et l'honneur de sa propre famille, elle va te tchakaliser. Là maintenant, le gars devient seul. Maman, tu le jongles comme le banc. Tu envoies en DH. Tu l'envoies en DH là-bas. Tu parles de quoi? Quelqu'un vient blaguer sur ta vie? Tu blagues avec lui? Le gars voit que non, tu as le vouloir briser, tu as ta petite vie, tout, tu n'as rien demandé. Le salopard sort là-bas avec sa femme et ses maîtresses. Il vient te mettre à la même équipe. Jusqu'à tu mets le cœur dedans. Jusqu'à tu mets le cœur dedans. Vous parlez de quoi? Jusqu'à tu cherches le divorce. Hey, enlevez. Si tu sors avec un homme marié en cherchant le divorce, hein, c'est que tu as tapé poteau. Quand tu sors avec un homme marié, c'est pour tout gâter. Quand tu sors avec un homme marié, c'est pour gâter. Tu parles de quoi? L'homme, tu le jettes après. Tu gâtes d'abord le mariage là. Qui t'a dit qu'on gâte le mariage en cherchant le divorce? On gâte un mariage en cherchant les pièces à conviction. Pièces à conviction. Vous cherchez quoi avec le divorce? Vous cherchez quoi avec le divorce? Vous êtes normal. Je cherche le divorce. Mon frère, une bonne vidéo à poil d'un gars est mieux que le divorce. Parce que l'avantage de la vidéo, c'est que tu as l'argent et le divorce amène. Et tu peux le détruire quand tu veux. Et qui? Ça veut dire que tu seras assis chez toi comme ça là. Il va courir pour lui dire que je divorce demain. Il va courir pour venir te dire que je divorce demain. Il ne sait pas que l'auteur du divorce là, est là devant. Ça veut dire que tu as te confesser devant le créateur de tes problèmes. Vous pensez que quoi? C'est tout là, il m'a trompé. On te trompe, tu te plains. Hey! Le mougou est terrible, hein? C'est-à-dire que le mougou passe se plaindre chez le fée. Vous pensez que les garçons, vous les femmes là, vous m'énervez. Hein? Maman, vous commencez vraiment à trop m'énerver. Il doit faire les jurés comme ça. Et vous voyez. Hey, regardez-moi alors les gens. Non, on est en division de nos nations. Tu vas bien gérer le retour de tes conseils. Si ça tourne mal. Pardon les filles, avant de faire ce que je vous dis, il faut avoir le cœur d'une femme. Mohamed Kamel, c'est un homme avec le cœur d'une femme. Mohamed Kamel, je ne sais pas pardonner. Je ne sais pas pardonner. Et Vanessa, tu es là, arrête ta tête. Mohamed Kamel, je ne sais pas pardonner. Je ne peux même pas. Je m'arrange d'abord à être le plus clair possible. Je ne sais pas pardonner. Je ne sais pas. Parce que quand je suis avec une gars, je te montre que j'étais là. Si tu veux, crois-moi. Si tu veux, ne me crois pas. Mais ce qui est sûr, je m'arrange à ne pas être faillible.
Je te mets en compétition, en condition pour que tu gagnes. Je t'intègre dans ma life pour que tu ne dises pas que le gars-là ne m'a pas donné ma chance. Pour que tu ne dises pas que le gars-là ne m'a jamais intégré dans sa façon de vivre. Je te mets là-dedans. Je te dis seulement une seule chose. Si tes intentions ne changent pas mon rêve en ensemble, si ta façon de penser ne change pas mes rêves à moi, on est ensemble. Mais si tes intentions, c'est que Amer Kamel ne doit plus être blogueur. Il te zappe le premier jour. Je te zappe le premier jour. Parce que Manga doit d'abord accepter qu'elle sera mariée avec les lives. Manga doit accepter ça. Qu'elle va discuter le téléphone avec. C'est-à-dire que je te pose les conditions de départ. Je te dis que ma chérie, si tu supportes le téléphone et les lives, on est ensemble. À partir du moment où tu m'as dit que oui. À partir du moment où on m'a dit que oui. Le reste, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Je te dis encore pour conclure ma plaidoirie en disant à Manga que ce qui est valable pour toi est valable pour moi. Je vous donne un conseil, vous les gars. Quand vous les gars, vous êtes avec les gars, au bout de 2 mois, oh non, tu entends, non. Quand tu sois avec une femme, donne-lui 1 an avant d'entrer dans son téléphone. Tu lui dis, chérie, tu as 1 an. Je ne vais ni décrocher à ton téléphone, ni rien faire. Tu as le temps de laver ton téléphone et tes intentions d'amis là-dedans. Parce qu'après 1 an de relation, je ne veux pas entendre que mon téléphone a le code. Je ne veux pas entendre que mon Facebook est verrouillé. Parce qu'il faut mettre, le plus important, c'est les paramètres d'une relation stable. C'est le départ. Donc, quand tu dragues Langa, sois franc avec Langa. Tu dis à Langa que, parce que quand tu rencontres Langa, il y a les dossiers qu'elle met en veille. Il y a les dossiers qui sont inertes. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, tu lui donnes 1 an. Tu dis que non, maman, ton téléphone, tu as 1 an. Une fois que les 1 an passent, tu vas dans un magasin. Tu payes un téléphone neuf. Tu dis, chérie, voilà le téléphone. Parce qu'un homme, tu ne peux pas appeler Tanga avec le téléphone que quelqu'un d'autre a payé. Ou bien avec le téléphone qu'elle a payé elle-même. Tu appelles ta femme avec le téléphone que tu l'as payé. Une fois que tu as déjà fait ça, tu es libre de faire de ce téléphone ce que tu veux. Et n'oublie pas quelque chose de très important. Ce qui est valable pour toi est valable pour elle. De la même façon qu'on a été dit aussi que chérie, comme tu entres dans mon téléphone comme tu veux, sache que moi-même, je vais entrer dans pour toi comme je veux. À partir du moment où les dés sont clairs, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. C'est ça. Vous pensez que quoi? Que les relations amoureuses, c'est un jeu d'enfant. Non, maman, c'est là-bas où tu peux die. C'est pour ça qu'on n'enseigne pas ça à l'école. Parce que c'est la mort qui est là-bas de l'autre côté, là. Vous pensez que quoi? Maintenant, comment ça? Imaginez-vous pourquoi on n'enseigne pas les relations amoureuses à l'école. Parce que c'est... Le poison ne fait rien. Le poison ne te laisse même pas souffrir. Le poison te tame à 15h. 15h, tu es mort. Relation amoureuse, le poison de ça, mof. Ça te coupe d'abord la famine. Pep. Ça te coupe la famine. Pep. Ouais, et la jolie Nelly. Voilà. Vous faites le régime. Un régime est quoi à côté d'une relation amoureuse? Quand un gars t'a barré, man, tu fais 2 jours, tu ne chopes pas, tu maigris seul. Soit tu viens Njoksa, soit tu viens Njanga comme ça là. C'est pour ça qu'on n'apprend pas ça à l'école. Parce qu'on ne sait pas comment expliquer ce genre de mort. Le cancer à côté, c'est un jeu d'enfant. Si on dit que l'amour soigne le cancer, que l'amour soigne le cancer, que tu peux yamo un gars, votre amour soigne le cancer que tu as. Vous blaguez avec l'amour. Vous blaguez. Continuez à blaguer. Tu sors un gars. Tu sors avec un gars. Tu prends les pleins pouvoirs. Tu déposes dans ses mains.
Tu prends les pleins pouvoirs, tu déposes. Il commence à te jongler comme le ballon. C'est toi qui travailles ton argent. Il te menace seulement comme ça là. Jusqu'à tu trembles comme ça. Tu trembles comme ça là. Que, ouais, est-ce que j'ai tout préparé? Et j'ai tout préparé. Le gars vient, il met les poses. Déjà, il vient chez toi. Il croise à voir. Attends, il parle. Il dit, chérie, tu peux me chauffer ça un peu. Pendant ce temps, il est au téléphone avec ses amis. Oh, regarde, non, c'est comment? Non, non, je suis venu chez la petite là. Hein, il te caresse un peu là. Ouais. Tu disais que quoi? Oh non, bon, si vous voulez, on sort ce soir, mais je sais pas, ok. La fille, elle est là. Ouais, bébé, tu sors encore. Tu ne savais même pas 30 minutes que tu es entré. Ben, chérie, je t'avais dit, tu sais bien que ce sont des amis, il faut quand même qu'on fasse des choses ensemble. Il en accepte. Voilà, et le pire de l'histoire, c'est qu'elle en accepte. Tu restes comme ça, tu regardes l'angala comme ça, tu dis que, hey, merde. Tu wanda. Après, la fille va sortir, dit qu'elle est maudite. Elle est incapable de prendre une propre décision dans sa propre vie. Elle va aller raconter que, oh, je suis maudite. Je ne comprends pas pourquoi je suis avec... Maman, tu ne comprends pas pourquoi tu sois avec les hommes. Pourquoi? Tu es d'abord bête. Tu payes ta maison, un homme vient imposer chez toi. Pour insulter ton père et ta mère, tu es très forte. C'est la bouche que tu as quand tu insultes ton père et ta mère ou bien ton frère. Si tu utilises la même bouche pour tes copains, là, c'est qu'il y a longtemps que tu es devant. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Le gars ne paie pas le loyer chez toi, mais vient imposer chez toi. Et tu es incapable de riposter. Incapable. Hey. Mange un boum depuis longtemps. Tu prépares, il vient manger un peu, soit il va manger avec ses amis dehors. Il vient entrer dans ta maison. Maman, tu coupes son but. Tu coupes. Tu lui mets le somnifère dans la nourriture. Il mange donc là. Pendant que la nuit dort, tu le déshabilles, tu le filmes dans toutes les positions. Tu gardes, on ne sait jamais, ça peut être tchakala devant. Tu gardes, on ne sait jamais, ça peut se gâter devant, tu as la réserve. Oui. Vous parlez même de quoi? Des hommes qui sont incapables de parler dans leur propre famille, dans leur propre couple. Quand ils viennent vous draguer, c'est bien pour des. Certains ne sont pas pensés, ils sont intelligents. Et vous, les Mbungala, c'est toujours le manque. Ma chérie, il y a les gigolos dehors. Si tu as envie de gnasse, paye-toi un gigolo. Paye-toi un gigolo, il te framponne bien loué. Tu qui tu pars. Qui t'a payé sur quelque chose qui ne va pas te faire souper. Il y a beaucoup de sites. Il y a beaucoup de sites même. Tu es entré dans les sites des clubs échangistes. Là-bas même, c'est un job. Tu es entré dans les clubs échangistes. Il y a beaucoup de clubs échangistes. Tu entres là-dedans, les femmes c'est gratuit. Quand tu as des gnasses, tu ouvres ton compte, tu regardes, ok, celui-là ça peut m'arrêter. Les gars ont faim là-dedans mal. Tu donnes rendez-vous à l'hôtel, tu pars et tu prends un numéro affrété pour ça, tu prends une puce de balle, tu dis que non, ça c'est pour mes connexions des réseaux. Tu regardes les profils, bam, 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 tu dis ok, tu discutes, tu prépares le terrain, tu prépares même 6 gars. Si tu aimes trop la gnasse, tu prépares 6 gars, tu dis que bon. Un gars te naque toutes les semaines, un gars te naque par semaine. Tu dis que bon, celui-là, quand même, ouais. Tranquille, tu es calme. Et tu dis qu'on se voit, tu dis qu'on se voit à l'hôtel. Tata, c'est fini. Tu go, tu le gnas, ça va, il te gnas, ça va bien. Tu finis, tu rentres chez toi. Tu auras perdu 50 euros parce que tu as payé l'hôtel. Et en plus, tu rentres chez toi sans avoir le moindre remords. Oh, l'histoire va se passer. Tu n'es plus là-bas, tu ne gères plus ça. Tu le banques d'abord, tu prends encore l'autre qui est là devant. Et c'est comme ça. En attendant que tu trouves quelqu'un. C'est ça la vie. Vous pensez que la vie, c'est quoi? Gars, tu pousses dehors sans caleçon. Vous pensez que c'est comment? C'est ça. Fais attention avec. Je vous dis la vérité, les filles. C'est la vérité que vous josse. Vous pensez que quoi? Vous pensez que c'est le lait qu'on donne? Et ma chérie, c'est le bon réseau, Nelly. C'est le bon réseau. Oui, ma chérie. On parle de quoi? Vous pensez que on va venir amour. Ça, c'était avant. Viens, on reste là, c'était avant. Le gars est marié, ne le bat pas. Piège-le. Et tu coupes sa tête d'un coup. Tu coupes sa tombe. Oui. Là, il va comprendre pourquoi tu es toujours seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà le Ndiapap ici.
Ouais, nous sommes à l'université cette nuit, je vais aller de me lever. Ouais, que Wallen, tu es terrible. Hein? T'as pas fraîche. Bon, jusqu'à... Non, c'est... Hein, vous savez que... Hein, moi, ce que vous dites, c'est ce que moi-même je fais. Quand je suis avec une gars, je ne discute pas trop. Hein. Je te pose la vérité là au sol. Que quand toi-même, tu regardes comme ça, tu dis que... Parce que les gars ont une habitude. C'est de vous comparer avec leurs anciennes relations. Parce que certains gars, comme elles sont sorties avec les bandits dehors, elles pensent que tout le monde est bandit. Mais elles ne veulent pas soigner le mal qu'elles ont en elles. Parce que les femmes ont cette habitude de toujours écouter leurs copines sont célibataires. Maman, tu écoutes une copine qui te dit que, oh non, laisse. Après, quand tu vas le quitter, tu vas rester avec qui? Tu écoutes ta copine pourquoi? Tu écoutes ta copine pourquoi? C'est pour ça que vous dites que moi, mais quand même, une gars ne peut pas me quitter. Moi, mais quand même. Parce que quand un gars me quitte, je te mets devant le phare. Je dis que chérie, tu me quittes pourquoi? Dis-moi pourquoi tu me quittes. La seule raison, s'il n'y a pas l'amour, c'est vrai. Ça me rend souvent sur certaines femmes. Tu quittes un gars et pourtant que tu l'aimes. Tu es folle. C'est une double souffrance. Vous n'avez jamais imaginé que quand tu quittes un homme que tu aimes, tu le mets en position de force. Tu le mets en position de force. Tu quittes un homme que tu aimes. Non, ma chérie, on quitte un homme qu'on n'aime pas. On quitte un homme qu'on n'aime pas. Parce que quand tu quittes un homme que tu aimes, il devient, c'est-à-dire que tu deviens la femme de un buceau. Quand tu sais avec lui, oui, non, je veux bien qu'on reprenne, mais tu vois, nan, il dit que, oh non, ça, nan, nan, il revient, bam, il faya. Après, il repart. Pendant qu'il parle, il cognasse ailleurs. Il cognasse ailleurs. Toi, tu es là. Oui, tu ne veux pas changer. Hey, maman, toi-même, tu as coupé la corde, tu as dit au gars que va chercher les gars dehors. À cause de vous, des faux orgueils que vous avez là dehors. On vous a dit qu'il y a l'orgueil dans l'amour. En amour, celui qui ne souffre pas, c'est celui qui est le plus vrai. C'est celui qui est vrai qui ne souffre pas. C'est celui qui a tout donné en amour qui ne souffre pas en retour. Parce qu'il n'a rien à se reprocher. L'amour n'existe plus. Oui, vaut mieux être seul que... Non, l'amour, ça existe si tu as l'argent. On t'a dit que l'amour, c'est l'amour du pauvre. L'amour du pauvre n'existe pas. L'amour existe quand tu as l'argent. Tu penses que les femmes m'aiment pourquoi? Les femmes m'aiment d'abord parce que je garantis une certaine assurance matérielle. Une femme m'aime d'abord parce que c'est qu'elle ne pourra jamais dormir affamée. Avant de mettre l'amour, la femme met d'abord la raison. Là où l'homme met les noyaux, la femme met la raison. Ben oui. Ben oui. Parce que les femmes ont tendance à nous comparer avec leurs anciennes relations. C'est ça la vérité. Toi alors, Néline, toi tes conseils, hein, tu pratiques. Hein, tu vas lire. Toi tu conseilles bien, mais tu ne pratiques pas. Maman, comment elle ne pratique pas? Vous n'avez pas vu ma relation avec le docteur? J'ai fait rêver les Camerounais. J'ai fait rêver les Camerounais. C'est ce qu'on appelle le gars love. J'ai aimé docteur. J'aime toujours docteur. Mais l'amour est différent maintenant. J'ai fait docteur. Les gars sont restés comme ça. Ils disent, non, petit frère, tu connais l'amour. Docteur a changé complètement. Vous pensez que quoi? C'est la pression qui a fait que c'est bon. C'est la pression. Parce que c'est pour ça qu'on me dit toujours que les blogueurs doivent cacher leur gars. La pression était terrible. Vous parlez de quoi? Vous avez vu ce qu'on appelle l'amour avec Docteur, non? Tout le monde est resté comme ça, on a dit. J'ai fermé la bouche de tout le monde. Les petites attentions, les petits câlins, les petits voix, les bindi bindi oué, la cuisine, tout. J'ai montré aux Africains comment on vit une relation d'amour. Vous parlez de quoi? J'applique moi-même ce qu'il fait. J'applique moi-même ce qu'il fait. C'est parce que Mangané n'est pas courageux d'affronter les réseaux sociaux pour l'instant. Maman, si tu n'aimes pas, tu vieillis vite. Qu'on ne vous manque pas. Il y a deux choses qui rentrent. Regardez-moi, j'ai 50 ans. Regardez-moi la photo de mon petit frère. Attendez. La photo, il est bien. Je vais vous montrer la photo de mon petit frère. Je vais vous montrer la photo de mon petit frère.
Attendez. Allez voir la différence. Regardez quelque chose de très important. Les gens qui visent le plus sont les hommes mariés. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Pourquoi les hommes mariés vieillissent vite? Là, vous aurez la réponse. Attendez, vous montrez la photo de mon... Vous n'allez même pas croire que c'est mon petit frère. Attendez, m'avais sur son Facebook. Même. Eric. Voilà. Non. Vous allez voir, rien ne dit que l'amour, c'est... Maman, ne fais jamais le genre de ne plus aimer. Je vais vous montrer la photo de mon petit frère. Vous allez rire. Un vieux. Si vous dites que c'est mon petit frère, vous n'allez pas quoi. Ouais, il est ta photo là sans moi aussi. Ouais, les gens, il a Facebook. Mais il est incapable. Il est incapable de connaître. Quand Facebook est incapable de changer les photos sur Facebook. Vous allez voir la différence. Regardez-moi le mot qui met sur Facebook. Vas-y, un gars. C'est un petit frère. Comment tu peux faire les mots comme ça là? Eh, les anciennes photos. Maman, le gars, mon petit frère est dangereux. Hein? Il mettait tous les anciennes photos. Attendez, je vais faire quelque chose d'autre. Voilà. C'est vrai, moi je coche mon gars avec surtout la partie de la piscine, mon gars. Ouais, qu'elle est. Il dit que. Je cherche la photo de mon frère là, je ne trouve pas. Parce qu'il a que des vieilles photos dans son Facebook. Il a envoyé une photo. En gros, la photo récente est dans le téléphone que je vous parle là. C'est pour ça. La prochaine fois, je vais vous montrer ça. Il est vieux. L'amour rend heureux. L'amour vous rend, l'amour rajeunit. Je n'aime plus. Et j'ai mon âge dans la paix. Attends un peu quoi. Je n'aime plus et j'ai mon âge. Non, quand ne vous mente pas, ne cessez jamais d'aimer, mais protégez votre amour. Tu vas aller même bandit, mon frère. C'est pas pour finir la cantinée. Amène le genre de sorcier comme toi. Amène le genre de sorcier comme toi. Vous gâtez nos vies. C'est la vérité. Donc, Nyandom, tu aimes encore. Non, moi, je suis un lover. Ah non, moi, je suis un poétique lover. Je suis un lover pas possible. Vous pensez que quoi? C'est l'amour qui me maintient en vie. C'est l'amour qui me fait rigoler. Ben oui. Vous pensez que s'il maintient... Ça dit que rien... Ça dit que l'amour, c'est... Mais l'amour qui te maintient en vie, là, protège cet amour. Même si tu dois te faire du mal à toi-même, mais c'est pour protéger ton cœur. Donc, voilà. On a trop parlé. Continue à ranger moi mes affaires, dis donc. On va perdre le temps ici, là. Continue à ranger moi mes affaires. Bon. Oui, j'ai aimé Sheila. C'est pas parce que je dis que j'ai aimé Modestine que je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé Sheila. J'ai aimé Sheila. Mais différemment. Les amours sont différents. Tu ne peux pas aimer quelqu'un de la même façon. Tu ne peux pas photocopier l'amour que tu avais l'autre pour mettre ça sur l'autre devant. Tu ne peux pas. Chaque histoire d'amour, c'est un nouveau livre que tu ouvres. Donnez à vos gars toutes les chances. Et ce qui est sûr, soyez vigilant. Quand tu sens qu'il y a le ham, maman, deviens sauvage. Sa mère, quand même. Ok? Ciao, ciao la famille.